Vous souhaitez vous raccorder au réseau électrique ? Un raccordement électrique est essentiel pour la construction d'une maison et pour la pose d'un compteur électrique. Avant tout, anticipez les délais. Les travaux peuvent durer entre 2 et 6 mois. Pour votre demande de raccordement, adressez-vous au gestionnaire du réseau de distribution de votre commune, il peut s'agir de Enedis ou d'un gestionnaire local, ou à votre fournisseur d'électricité dans le cadre de son service d'accompagnement. Qui se charge du raccordement ? Le gestionnaire de réseau ou votre fournisseur vous informe sur la faisabilité du raccordement et vous propose un devis. À leur charge, les travaux sur le réseau électrique, notamment le branchement et les éventuels travaux d'extension du réseau public de distribution. À votre charge, les travaux à effectuer sur votre propriété et sur votre installation électrique intérieure. Faites appel à un électricien. Pour la mise en service de l'électricité, faites vérifier votre installation par un organisme agréé, comme le Consuel, qui vous délivrera un certificat de conformité obligatoire. Demandez la mise en service de votre installation au gestionnaire du réseau ou au fournisseur d'électricité. Prévoyez un délai de 5 jours. Maintenant, combien ça coûte ? Comptez de 500 à 3000 euros pour un branchement complet. Le prix dépend des frais d'études, du type de raccordement, aérien ou souterrain, des travaux et de la puissance souhaitée. Un raccordement électrique demande d'effectuer plusieurs démarches qui doivent être anticipées et de prendre en charge une partie des travaux. Pour en savoir plus sur comment se raccorder au réseau électrique, retrouvez toutes les infos sur eureka.fr.